Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver donc sous les derniers rayons de soleil de cette journée de fin mars. Le changement d'heure a au moins ceci d'intéressant, c'est que je peux me retrouver un peu au jardin après la journée de travail, c'est vraiment très chouette. Alors je vous retrouve ici avec 60 litres environ là de crottin. Je vais avoir la chance de pouvoir être alimenté de cette manière assez régulièrement et donc de pouvoir épandre du crottin de cheval donc bien sur l'ensemble des parcelles. Alors je vais épandre ce crottin sous le paillage de foin de manière à ce qu'il soit pris en charge par toute la faune du sol et qu'il soit un petit peu assimilé, digéré, disons, par ce sol le plus rapidement possible. Alors autour de moi, on m'a beaucoup dit attention, le fumier de cheval, il faut absolument le laisser se composter pendant plusieurs semaines, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne s'agit en l'occurrence pas du tout de fumier de cheval, mais de crottin de cheval. C'est donc sans la litière et sans l'urine, surtout des chevaux qui apporteraient beaucoup d'azote hein, finalement à ce produit. Donc là, on a quelque chose de plutôt intéressant, modérément riche en potasse, en phosphore et en azote. Il s'agit tout autant d'un amendement finalement que d'une fertilisation et ça va également contribuer à alléger finalement mon sol qui se veut assez argileux là aujourd'hui. Hein. Il ne serait pas intéressant pour moi d'apporter ce crottin sur le paillage, mais il faut bien le mettre en dessous. Ce que je veux éviter à tout prix, c'est que ce crottin soit finalement asséché par le vent, le soleil, puis réhumecté par la pluie, puis asséché de nouveau. Hein, là, il va être bien à couvert, à l'abri donc de l'ensoleillement, et puis bien à l'humidité, au contact direct du sol, et c'est bien mieux comme ça. Hein. Voilà, je pense donc que cette opération d'amendement et de fertilisation, tout en un, je dirais, favorisera vraiment le développement des légumes qui viendront ensuite être repiqués sur ces parcelles, quoi. Allez, on y va. Alors, dans un premier temps, je vais dégager vraiment, voilà, sur la moitié de la parcelle, voilà, le foin qui a déjà été pris en charge par le sol et qui commençait sérieusement à se dégrader. Voilà, j'y retrouve également un peu de traces de compostage de surface que j'ai pu réaliser auparavant, c'est très bien. Tout ça, ça s'est dégradé tout à fait correctement. Voilà. Alors, on peut entendre aussi beaucoup de choses et lire beaucoup de choses au sujet des médicaments qui sont donnés aux chevaux, hein, des anti-inflammatoires notamment. Bon, bah, il se trouve que j'ai assez régulièrement mal au dos. Eh bien, ma foi, le cas échéant, tant mieux, ça me fera sans doute un peu de bien. Alors plus sérieusement, je ne crois pas quand même que ces substances soient suffisamment présentes pour stagner dans mon sol et puis être puisées de nouveau par les légumes et puis arriver dans mon assiette, quoi. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Alors, c'est assez lourd. Bon, ça sent pas super bon, mais c'est pas non plus franchement malodorant, quoi. Je m'attendais à ce que ça sente davantage. Voilà. Voilà. Je pense que voilà, une épaisseur de quelques centimètres suffira amplement. Voilà. C'est pas la peine d'être trop généreux non plus. Voilà, donc là je suis sur 2-3 cm, hein, tout cassé, c'est vraiment pas énorme. C'est un matériau quand même assez fibreux, hein, qui va également apporter du magnésium, du calcium, mais aussi du carbone hein, au niveau du sol. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant, qui n'a rien à voir avec les, encore une fois, ni avec le fumier, ni même avec les déjections de bovins, par exemple. Hein. C'est quelque chose de tout à fait différent. Je vais recouvrir de foin, et puis je vais m'occuper de l'autre moitié de la parcelle. À savoir que les
les prochains repiquages voilà, sont programmés à d'ici quelques semaines, hein. C'est pas pour demain non plus. Hein. Voilà, on y va. Alors évidemment, l'idéal aurait été d'épandre ce crottin directement sous le foin au moment où on a épandu le foin, c'est-à-dire vers le mois de décembre, hein, début décembre à peu près. Ça, ça aurait été quand même mieux. Bon, il se trouve qu'on dispose de ce crottin là maintenant, donc voilà, c'est parti. C'est pas très grave non plus. Hein. Cette partie-là est rebouchée. On va maintenant retirer de l'autre côté. Voilà. Voilà, c'est terminé. Ben, 60 litres, finalement, j'aurais couvert, oui, allez, 3 bons mètres carrés, finalement, hein, pas à peine plus, hein, si je compte bien, en connaissant les mesures des planches, voilà, 60 litres, environ 3 mètres carrés, c'est-à-dire 20 litres à peu près au mètre carré pour le crottin de cheval, frais. Encore une fois, n'ayez pas peur de ce produit, c'est pas un engrais surpuissant, c'est pas surazoté, etc. Ça a besoin d'être... dégradé vraiment par le sol avant d'être de libérer les matières qui seront assimilables. Il faut plutôt le voir comme un amendement qui va améliorer la structure du sol et puis qui va être un activateur un petit peu de toute cette biologie du sol. Hein, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite intervention et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao. Bon, je rigole, vous allez comprendre pourquoi j'étais en train d'étaler ce crottin quand j'ai reçu un coup de téléphone. Je vous fais écouter ça tout de suite. Ouais, Dan, salut, c'est Lionel. Je t'appelais, je me suis renseigné un petit peu pour cette histoire de petit pot à rame, là. Et ça me travaillait quand même, cette histoire, et effectivement, bah, figure-toi que ça existe. Hein. Donc, bon, ça monte pas tellement haut, hein. ça fait 50-70 cm, ça peut monter, mais effectivement, ça existe, donc je savais pas. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va aller plaisir. Voilà. Allez, ça vous dit de pas les enlever, de toute façon. Hein. Allez, salut, Dan. Bon voilà, hein. Donc autant vous dire que le feuilleton petit pois du potager qui dit non n'est pas terminé, loin s'en faut. on va voir un peu si les structures qu'on peut-être voir là derrière moi vont réellement avoir une utilité ou si ce seront les petits pois semés en ligne qui se développeront le mieux. Hein. Affaire à suivre, on en tirera les conclusions qui s'imposent et puis on se réadaptera l'année prochaine tout simplement. Hein. Allez, cette fois, je vous laisse. Ciao, ciao.